tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nos Racines, émission particulièrement dédiée à nos aînés. Et bien sûr, nous allons vous présenter de belles chansons et des témoignages d'amour. D'amour toujours, puisque cette semaine, nous avons célébré la fête de la Saint-Valentin. La fête de l'amour chez nos seniors, eh bien, ils réitèrent un petit peu leurs vœux. Mais en même temps, ils vont nous apporter des témoignages absolument extraordinaires. Patrick et Marie-Thérèse, par exemple, eh bien, ils vont chanter ensemble « Prends ma vie ». Un vœu, tout dans sa vie, pour celle d'une femme, perdant tout pour qu'elle gagne. Il est là devant toi. Une femme fragile, douce, tendre, une femme telle que tu la désires. Elle est là près de toi.
temps et les seuls sans tant plus rien. Moi, c'est Josiane. Mon époux, c'est Gérard. On est mariés depuis 46 ans. Aujourd'hui, pour la fête de Saint-Valentin, on va vous faire un petit poème. Mon amour, qui a dit qu'un jour tu feras battre mon cœur et je ressentirai tout cet amour pour toi, pour ta douceur? Qui a dit qu'un jour je rêverai d'être avec toi? Toi et moi, la main dans la main, sans la peur du lendemain. Qui a dit qu'un jour, ma vie serait liée à la tienne, plein d'amour et de douceur pour me couvrir de tendresse. Qui a dit qu'un jour, je t'aimerai à ce point? Je redis que c'était impossible, ce petit ange que j'aime à mourir. Patrick et Josiane, 44 ans de mariage. À votre actif, vous tenez 3 enfants et 5 petites filles. C'est merveilleux, ça met la vie. Il fait aux autres de beaux cadeaux. Ah. Mais c'est pas toujours un long fleuve tranquille, non, Patrick? Ah, mais si. Ben, c'est que, comme on dit, il n'y a pas de cyclone, pas d'ouragan, sans que ça apporte des choses merveilleuses pour la nature et tout. Ben, nous aussi, on est comme ça, c'est qu'on a eu Léo et Léva et on a fait les choses ensemble. Et je ne peux témoigner, ben, c'est surtout dans les difficultés, dans les choses qu'on ne va pas bien, les choses ne vont pas bien. C'est à ce moment qu'on est plus ensemble. C'est ça qui fait que on est toujours là. Vous êtes toujours là 44 ans après. Voilà. Hein? Mais comme on dit, les difficultés, ça renforce. Ça renforce. Et il ne faudrait pas qu'il, comment dire, nous, comment gagner une difficulté, nous décourager. Bien sûr. Et nous abandonner. Oui. Il ne faut pas abandonner le navire. Ben oui. Hein, Josiane? Ah oui. Beaucoup, beaucoup de personnes nous demandent, mais j'étais mariée si jeune, moi, j'avais 18 ans, Patrick 20 ans. J'étais encore capable de tenir, mais moi, on me dit au contraire, ça, maintenant ça devient plus fort. Parce qu'on a, comme on nous dit en créole, tombé levé ensemble. Mais exact. C'est un renfort aussi, nous. Ouais. Et tomber levé ensemble, c'est avec beaucoup de courage. Ah, oui. Ah, ben, si, mais beaucoup de joie aussi, Patrick. Ah ben si. Mais c'est que d'abord, il faut qu'on connaisse la personne avec qui on vit. Il faut connaître ses qualités. Mais ça prend les temps, ça, Patrick. Ben, justement. Dans les mauvais moments, dans les moments de désert, à ce moment qu'on découvre l'autre plus. Et c'est ça qui nous fait qu'on met plus d'emphase sur ces choses-là pour que ça puisse être une qualité au lieu d'une faiblesse. Alors c'est ça qui fait à nous dans ce sens-là. Et comprendre, mais comment dire, quand on veut faire un chemin, nous connaissons la faiblesse de l'autre, nous connaissons que nous besoin à ce moment épauler. Et lui aussi, c'est réciproque. Hein? Lui aussi, dans mon moment, moi aussi, moi, dans ma faiblesse, mais il connaît. Et voilà, c'est ça qui fait que, dans ce moment-là, nous sommes capables d'être. Alors, Josiane, si tu tiens un petit message à faire aux jeunes couples aujourd'hui, qui te pose un message-là? Hein? Ce message-là, c'est l'amour prend patience. Il faut de la patience. Et ça, c'est une grande vertu qui te dit. Oui, oui. Et puis, il y a une chose encore qui me tient envie d'ajouter.
C'est qu'il y a trois choses qui, comme si nous besoin garder ça, c'est une valeur. Nous besoin qu'on dise merci, nous besoin qu'on demande pardon, et nous besoin dire je t'aime. Wow! Ça, c'est un message très fort. Hein? Oui, et c'est que j'allais dire, c'est bien dit dans le sens que quand nous, avec quelqu'un, nous connaissons son langage d'amour. Là, c'est que l'indien, c'est la parole valorisante. Ça veut dire, dans le moment que nous avons une chose, il passe bien, nous sommes capables de valoriser, de dire, bien, merci, voilà, c'est bien fait. Voilà. C'est ça que me dire que nous avons besoin de l'autre. Oui. Et aussi que quand on dit jeune, pour comprendre, c'est que, comment dire, l'amour, ce n'est pas quelque chose comme aujourd'hui, le 14, nous dire, ben, Saint-Valentin, nous fait des choses, des activités, et tout correct. Non. C'est dans les difficultés, aller rencontrer l'autre dans ces difficultés, dans ce problème. Et je me pensais que l'autre va apprécier. C'est un peu comme les vagues. Quand la femme est dans le creux, elle voit la main qui la tire, mais dans des moments difficiles, elle va rendre là. Pareil. Voilà. Exactement. Mon enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux de fée, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait faire mon repère au secret. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres de recoins de l'espace, dans le moindre de rêve que tu t'attends. Il est si beau, si sûrement vrai, lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris ton défilé. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule sur tes poignets.
t'aimerai. Chantal Anthony est la doyenne de cette association de seniors K-Pop Golden Age. Chantal nous arrive de très loin pour rejoindre ce club. Elle habite Rivière des Anguilles et je peux vous dire que 85 ans bien sonnés, des hauts et des bas dans la vie, Chantal est toujours là, est toujours présente. Elle a un poème pour nous. Enfin, c'est un plaisir pour moi de me voir dans ce jardin parmi des si belles fleurs. Vu que c'est à Saint-Valentin aujourd'hui, c'est dommage pour moi que je n'ai pas de Valentin. Mon Valentin m'a quitté il y a 3 ans. Je profite sur ce pour faire un poème. Mon poème s'intitule « L'amour en proverbe ». Je pense à toi une fois par jour, mais cette pensée dure 24 heures. Petit moi, cherche petit toi pour faire petit nous. Quand le corbeau sera blanc et la neige noire, alors je cesserai de t'aimer. Ce n'est pas parce que tu es belle qu'il t'aime, c'est parce qu'il t'aime que tu es belle. J'aimerais être un poignard pour transpercer ton cœur et faire couler le sang quand tu as fait couler mes larmes. Le malheur de t'avoir perdu ne me fera jamais oublier le bonheur de t'avoir connu. L'amour est comme un dessert qui se mange à deux à l'occasion de la Saint-Valentin. L'amour n'est pas un verre d'eau que l'on avale quand on a soif ou une paire de chaussures que l'on échange tous les jours. Une personne sans amour est comme un jour sans soleil et un jardin sans fleurs. Karan et Lila, ça, je peux vous dire que c'est un partenariat gagnant. Karan et Lila, 52 ans, fidèles à l'amour. 52 ans à travailler beaucoup pour leur famille, mais aussi pour les autres. Ils n'ont jamais oublié, ils n'ont jamais laissé de côté. Ils sont toujours actifs dans leur région, dans leur quartier. Ils apportent de l'amour aux autres. Quel plus beau témoignage! Thank you.
43 ans mariage, mais je peux dire aussi à mon téléspectateur que je suis une formule vraiment extra spéciale. Parce que si je travaille de temps en temps à Agalega, et quand il est retourné, c'était la ligne de miel. Donc je suis une plusieurs lignes de miel. Ça même c'est encore là, et c'est ça le secret. Hein? Oui. La vie, ce n'était pas facile. J'étais policier, travaille ici à Maurice. Parfois, on travaille le soir. Je les laisse tout seul à la maison avec les enfants. Les oui. enfants étaient encore petits. Petit. C'était pas facile. Non. Et parfois, je me dis, je suis parti travailler à Galiga. J'ai fait 5 fois à Galiga. Et là-bas, la vie n'était pas facile. Ce n'était pas comme à Maurice. Là-bas, tout était calculé. Il fallait. Donc, il n'y avait pas d'argent qui circulait. Alors, on payait par voucher. Voucher, tout ce qu'on achète, on marque ça, et puis le IDC coupe ça sur la paie. Oui, oui, la paie. Et contact, ce n'était pas facile. Je travaillais, il y a 2 îles là-bas. Je travaillais dans le sud, mais c'est tous les 15 jours que je viens dans l'île du Nord. Là, je vais télécom. Je vais le contacter, là, on peut parler. Il y avait un bureau de télécom là-bas. Oui, il y avait un bureau là-bas. Alors, pas plus que 5 minutes, puisqu'il y avait une longue queue, tout le monde voulait contacter la famille à Maurice. Ouais. Et c'était pas facile. Et je le disais toujours, tant que tu n'as pas de nouvelles, c'est bonne nouvelle. Parce que s'il y a quelque chose qui tombe, hein, c'est toi la première personne qui va. Dans oui, oui. Rose, mais ça c'est vrai, hein, c'était pas si facile que ça, n'empêche. Hein? Oui, c'était pas facile. Et auparavant, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien pour contacter. On n'attend que le téléphone. Mais avec les enfants, le travail, le stress à la maison. Vous aviez eu beaucoup de patience. Le feu. On a pris pour l'engagement. Pour... Exactement, quand on a pris un engagement, peu importe ce qui se passe. C'est ça. On a vécu avec. Et les enfants, c'était petit. Mais oui, ouais. Parce qu'on se rend compte que vraiment, il y a beaucoup de couples qui ont tenu le coup malgré la difficulté de la profession de l'un ou de l'autre. Mais plus souvent, c'est l'époux qui a une profession, on va dire, bien difficile. La police, c'était pas facile. Voilà. Être policier, être médecin, être marin, tout ça, c'est vraiment, il faut avoir le cœur sur la main. Le cœur sur la main, beaucoup de patience. Et beaucoup de patience. Beaucoup de patience, oui. Parfois, quand on sort de là-bas, on vient ici, on n'a pas beaucoup de congés. Suite à 2 ou 3 jours de congés, et puis on doit reprendre le travail. Il faut repartir. Il faut repartir travailler. Là, on travaille à Maurice, et puis ici, on travaille le soir. Je les quitte à 18h du soir pour rentrer le matin à 8h, 8h30. Exactement. Elle reste toujours seule à la maison. Et ce sont les réalités de la vie, vous autres. Hein? Ce sont les réalités de la vie. De nos jours, il n'y a pas que les métiers 9h, 4h. Non, non. Il faut réaliser qu'on a beaucoup de métiers autour de nous qui, justement, n'arrangent pas un couple. Elle a eu beaucoup de patience. Elle a eu de la patience. Elle m'a aimé beaucoup. Oui. Je l'aime toujours. Et on Steve, s'aime toujours. Voilà, on s'aime toujours et Steve aime toujours Rosemée autant. Oui. On s'aime toujours. C'est formidable. Oui. Comment je vais dire, on a pris un engagement, on doit assumer. Tout à fait, avec joie et bonheur. Oui. En tout cas, bonne Saint-Valentin à vous. Hein, la prochaine chanson, c'est pour vous. Merci beaucoup. Thank you.
Témoignage émouvant, car nous réalisons que plus de 40 ans de vie commune pour chacun de nos amis ici, c'est quand même un grand voyage à deux. Et on vous souhaite en tout cas tout le meilleur. Et à présent, on va retrouver Armelle. Armelle qui nous dit, ou qui invite plutôt, « Emmène-moi danser ce soir ». Aujourd'hui, ça fait 6 ans, nous sommes mariés. Tu m'as donné des beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontrés, je n'ai pas cessé de t'aimer. Et ce soir, j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire belle pour toi, comme par le passé. Ton fauteuil, ton jour, flottons ensemble, enlacés dans le...
partager une danse et tout le groupe est là présent. Ils sont vraiment animés par cette envie, cette intention de bien partager la fête de l'amour ensemble. Et c'est merveilleux de les voir et on en tire vraiment de bonnes leçons. Déjà, ça dénonce là, comment dire, une fête pour se rencontrer les autres. Mais cette petite histoire, vraiment, méritait que Noël, en tout cas, commence à raconter ça. 41 ans de cela, Noël, votre parent, tu finis arrangé pour présenter vous l'un à l'autre. Oui. Mais il va se passer quelque chose. Oui, allez. Ça se voit, tu connais, tu as l'air de danser, écoute mon cousin. Et enfin, on danse avec lui tout. On ne connaît pas pour demander. Sur la main, dans le demain. Et le lendemain, mes parents disent, nous allons prendre un temps qui est une petite fille pour marier. Et on va être content du tout, parce que je suis heureux de ce qui me soit. Alors, je dis, non, pas toi qui fais soir, c'est moi qui fais soir. Après, on allait rentrer. Et on me trouve, mais hier soir, je suis là, dans la même place.
Et on va rentrer, on arrête devant sur la porte. Même coïncidence même. Et on va trouver, et on va descendre, on rentre dans même la cour. Et ça, et à la représentation, c'est un petit peu tout pour incroyable, même moi, on va s'attendre. Et dans demain, hier soir, on vient nous causer, nous joindre. Et tu joins la veille, oui. Sans bien sûr qu'ils ont parents, ni non. L'un ni l'autre au courant. Personne ne tu connais. Et pour autant, les oui. Autres parents, ça veut dire, ou parents pour eux, tu viens choisir sa tifida. Sa tifida, oui. Bien avant. C'est quand même une super coïncidence. Oui, coïncidence. Pareil, mon nom ici, avec ce nom, une coïncidence, Noël Noëli. Et depuis ça, 41 ans qui ont passé. Les enfants, raconte ça un peu là. Oui, il y en a 4 enfants. Il y en a 7 petits-enfants. Waouh! Et moi, avec Nelly, tout le temps, comment dire. Et il dit tout le temps les alous, moi. Les alous! Ouais. Si vous guettez, si vous guettez ici, tu ne vas pas guetter. Mais moi, je dis, moi, je souffre, moi, pourquoi pas guetter? Je vais guetter. Pourquoi tout, du coup? Je dis, on a besoin. Je dis, pas soit t'as soit on a besoin de guetter. Vous inquiétez droite. Vous inquiétez droite. Mais c'est bon, quand même, nous correct tout le temps. Tout le temps. Bien sûr. La guerre là commence 6-5 minutes après 5 minutes. Fini. Parce... C'est vrai, Noélie. Vous pas la guerre pendant longtemps. Non, il n'y a pas qu'à la guerre, c'est longtemps. On était dans les enfants, tous les 4 enfants là. Les bêtes, nous, pour la guerre comme ça. Madame, nous faisons répondre, nous, pas nous-mêmes. Noël, Noélie, elle a la vie heureuse qui finit dure 41 ans. Oui. Mais comme on nous finit dire, elle a aussi souvent une rose avec tout ce piquant, ça. Tout ce piquant. Hein? Joli flair, mais rempli oui. Piquant, papa. Oui, oui. Mais autres, c'est une bonne travail, oui, ça. Oui, bonne travail. Fait joli bouquet. Oui, nous fait un joli bouquet. Et je suis bien fier, mais je suis bien content ici, parce que tout le temps, quand je suis capable de créole, il dit créole, moi, tout le temps, nous avons de l'amour. Ensemble. Bien sûr. Et tout le temps, nous frayons nous ensemble. Et tout d'un côté, pour aller, pour dire, nous venons ensemble au lit, ça, comprends. Et pour ça, je suis bien fier. Un bon Dieu. Un bon Dieu. Et ça, je vous parle en train. Je dis merci beaucoup. Et de moi, un grand amour. Pour tout ça, l'accompagnement, là, tout ça, les temps, là. Ça, les temps, là. J'espérais que ça dirait encore. Mais bien sûr, il vous dirait, les restes, ça, c'était plus facile, là. C'est que plus difficile pas derrière, non? Oui. Quand on réussit à faire 4 enfants, alors, où des enfants, Noélie, qui l'âge de Téna? Mais là, des garçons, des petites filles. Mais mon premier petit fils a 40 ans. Deuxième l'un a 36 ans. Troisième l'un a 35 ans boss. Et le dernier? Le dernier a 30 ans. 30 ans. Alors, 4 enfants en l'espace de 10 ans. Oui. Joli, joli travail. Et au fil de ici, tu as 7 petits enfants là-dedans. Oui, 7 petits enfants. Et donc, dès qu'il faut pour réunir bientôt, nous ne pouvons pas reconnaître. Mais, bon, reconnaît. Mais par les bien, ça te fait. Une bonne nouvelle peut arriver. Oui, la famille peut des bonnes nouvelles. Des garçons là, tous les deux, autres, madame, vous êtes dans cette là, tous les deux. Ah, voilà, une bonne nouvelle. Elle a pas d'année. En tout cas, bonne Saint-Valentin oui. À vous deux. Merci. Merci. Merci à tous d'être restés avec nous pour cette émission Nos Racines. Nos Racines qui était dédiée, bien sûr, à l'amour, comme je vous l'ai dit, puisque cette semaine, le 14 février, nous avons célébré la Saint-Valentin. Mais cette fête de l'amour, elle doit continuer sur les 365 jours de l'année. Toute l'année, on doit pouvoir aimer. Aimer plutôt que détester. Aimer plutôt que d'avoir des sentiments négatifs. En tout cas, voilà, on va se quitter sur une belle note de musique. Moi, je vous dis au revoir et bien sûr, à dimanche prochain.